Eh bien, bonjour! Bienvenue sur la chaîne des Broquignoles. Nous sommes repartis aujourd'hui pour la suite du donjon de Nullbuck. On a essayé hier, mais on a un petit souci. Ah, et le problème, du coup, on va devoir recommencer. Tant pis, écoutez, ce sont les joies du direct et des sauvegardes. Et puis voilà. Les problèmes de sauvegarde, les problèmes de son, les problèmes de joueurs. Alors, donc, on importe la partie, c'est bien ça. Hein. Apport de sauvegarde. Je prends fin vamp. Attends, j'ai vu ça. Non. 48 minutes, celle-là peut-être. Non, c'est fin vampire, hein, simplement. Oh, on a plus de temps sur celle-là, donc je suppose qu'on a peut-être fait des points après, je sais pas. Non, voilà. Et là, on est tout nu. Oh merde! Comme ça, normalement, on importe nos stuff et nos stats. Et surtout nos talents. Enfin, talents. Les capacités, on dira. Du talent, toi? C'est peut-être, ouais, c'est peut-être beaucoup dit, des talents. Mais t'as pas de talent. Donc, ce qu'on avait dit hier, hein, donc c'est le troisième DLC de Journal Buck, le retour du futon, qui joue avec le visuel du retour vers le futur, bien et sûr. Et c'est le troisième et dernier. Voilà. Et c'est normalement avec les disciples de Dlul. Un peu tout. On va savoir, on va bien. Les chargements sont toujours aussi longs, alors que techniquement, il avait été optimisé. Mais... C'est vite dit. Je sais pas où t'as vu qu'il était optimisé, parce que justement, on a des problèmes de sauvegarde, des problèmes de son, des problèmes de... Ouais, oui, le son, c'est bizarre. On est obligé de passer par la carte son d'une télé, parce que l'ordinateur ne veut pas me donner de son. Bah non. Donc, après, ça marche d'habitude. Je sais pas comment ça marche. D'habitude, ça fonctionne. Et salut, Empire! Quel beau sourire! Bah, tu vas revoir du déjà vu. Voilà. T'avais raté le début, bah non, t'avais pas raté. Si tu restes encore 10 minutes comme hier, tu reverras la même chose. Donc reste un peu plus long. Oh là. Oh là, là ce poulet de chargement, quoi. Poulet, piou, piou, piou. Ah là, et piou, 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 c'est pas mal. En plus, c'est marrant, il recule sur la barre de chargement. Il avance même pas. Ça n'a aucun sens. C'est la version Michael Jackson. Ça pourrait dire, c'est un poulet qui fait un moulin. Je n'arrive pas à croire que ça recommence. Ah. Bon, bah on recommence du coup, hein, problème, voilà. Hein. Service après-vente gratuit. La compagnie se morfond dans les geôles de la caisse des donjons. L'organisme qui réglemente l'aventure en terre de Fang. Je rappelle qu'il dormait, ils ont fait le rêve de la reine de Kiluk, et puis voilà. Pas très convaincant. Ou alors, l'elfe s'évanouit, le garde se penche pour voir ce qu'elle a, et on en profite pour l'assommer et lui piquer ses clés. On a déjà essayé, on a tout essayé, on va mourir ici, misère. Moi, je suis déjà mort, hélas. En plus, j'ai toujours pas compris pourquoi je devais m'évanouir. Tout ça, c'est à cause de ce sorcier à la noix. C'est de la merde, la magie. Ah bon? C'est à cause du sorcier que je dois m'évanouir? Qu'il m'a jeté un sort? En tout cas, c'est pas un sort d'intelligence. Va mourir, peau de chambre à barbe. C'est ça, brosse tes écureuils, gueule d'endive. Vos gueules, quand on est en tôle, on la boucle. J'aime bien ce qu'on leur a piqué leur équipement, mais il a quand même toujours son gros sac de camping. Il a un mauvais pressentiment. Dans lequel il pourrait avoir plein d'équipements. Bonjour, chers aventuriers. Le docteur Oswald. Salut, raclure de pied. Ah, des petits soucis. Alors, comme on disait, on a dû recommencer. Souci de sauvegarde, souci de joueur. J'avoue, j'étais pas spécialement frais. Mais tu passes ton temps à vouloir t'évader. Et donc, faut qu'on recommence, malheureusement. Mais tais-toi, andouille. Je sais déjà que je vais le regretter. Nous allons le regretter. On va vous rendre votre équipement. Bon, bah, trop comment ça se passera sûrement mieux maintenant qu'on connaît un peu. Trop courte minute, c'est gentil, ça. Vous n'allez pas être jugé. À la place, vous allez peut-être pouvoir regagner votre liberté en réglant les problèmes que vous avez causés. Les problèmes? Mais quels problèmes? Ouais, quel problème? C'est qu'on en a eu quelques-uns. Vous allez retourner dans le donjon de Nullbuck. Quoi? Ah non, Zongdar, il est méchant. On a déjà tué tous les monstres, c'est nul. Ouais, j'avoue qu'on a plutôt bien nettoyé la zone. Y a plus rien à ramasser à part de la fiente de gobelin. Je peux en placer une, oui. Bah, je vous comprends, moi il m'étonne jamais. Les belles passées temporelles, le retour. Nous sommes en alerte temporelle critique. Comme on disait, les trucs faciles pour allonger les durées de vie. Une anomalie spatio-temporelle a été identifiée. Dans les mangas, c'est sans doute causée par la destruction du démon Gignax. Nous craignons que le donjon ne soit bloqué à une époque différente de la nôtre. Sans doute une faille inférieure dans l'oscillation de la trame harmonique majeure du temps. Oui. Pas du tout. C'est un problème d'ordre magnétique lié à la fracturation astrale interdimensionnelle. Gardez vos théories d'amateur. J'ai rien compris, mais comment il t'a cassé? Puisqu'il est si malin, débrouillez-vous sans moi. Nous avons donc tenté d'envoyer des équipes via un portail dimensionnel directement dans le donjon. Malheureusement, ils ne sont pas revenus non plus. C'est beau toutes ces lumières.
ouf. Vous avez la même en jaune, c'est pour un puits de mine. Ça doit être pratique pour empailler tard le soir. Ne pas les faire exécuter, restez calme. Comme vous avez été exposé, vous êtes sans doute résistant à la perturbation. Sans doute. Vous allez traverser le portail. Il a de ces petits mots, peut-être. Sans doute. Oula, je crois. Ça semble dangereux. Il n'est pas très sûr de lui. Ça consiste en quoi, au juste ? Essayez de localiser nos équipes et tâchez de déterminer dans quelle époque est coincé le donjon. C'est important pour pouvoir résorber l'anomalie. Et surtout, ne touchez à rien. Bon, ça c'est mort. C'est notre spécialité, ça. La perturbation de la ligne temporelle nous exposerait à davantage de problèmes. Eh ben, ça va être des problèmes. De toute façon, s'il a trouvé des gens, mais sans les toucher. Par un agent de la caisse des donjons. Attendez, on va devoir partager les points d'expérience avec lui. Je vous présente l'agent X. Ah oui, je l'avais oublié, l'agent X. Attendez, il est où? Dans le passé. Bonjour. Ah, vous étiez là depuis le début? Oula, encore une saloperie de voleur. Minute, nous avons déjà un voleur. Moi. Oui, enfin, d'où vient cette voix? Un sac qui parle? C'était le précédent voleur du groupe. Il est mort et son âme est coincée dans un crâne maudit dans le sac de l'ogre. Je suis coincé entre de la nourriture avariée et des breloques sans importance. Dans mon cas, c'est différent. Je suis un honnête truand, bien vivant. Encore un criminel, mais au service du pouvoir, c'est les pires. Et voilà, déjà remplacé. Ils n'auront pas perdu de temps. Fichtre, patron, vous n'avez pas menti. Ils ont l'air gratinés. Ah, ça. Passé, j'ai cassé. La trame chronomagnétique se délite. Le temps nous manque. C'est assez paradoxal, vous ne trouvez pas? Attendez, c'est chaud comme mission. Et si on refuse? Je vous garde en rétention administrative de troisième catégorie. En clair? C'est quoi, de première? Rétention sans limite de temps. Pour ah commencer. Oui, perpétuité. Ah oui, quand même. Bon, eh ben, allons-y. On va, let's go. On va où? On va quand? Oh oh! Blague spatio-temporelle! On va pas où, on va quand? Tu l'as déjà fait hier, bah, je sais bien, oui. Bah écoute, faut bien refaire les mêmes trucs, hein, sinon on s'y retrouve pas. Ah donc, non, bah, tu vas pas refaire tout comme hier! Non, pas tout, heureusement. Si on doit pas refaire les mêmes blagues, à un moment ça va être pourri. Ça veut dire qu'à un moment il va faire. Mais c'est qui que je vais taper? Je crois mais qu'est-ce que je. Mais où est-ce que je vais? Des planches, des échafaudages. Sans doute un chantier. Ça ne ressemble pas trop au donjon de Nahulbuck. Mais est-ce qu'on est au bon endroit? Est-ce qu'on peut avoir un avis magique? Pardon? Divine Teleportation! On le saura que madame est vexée. D'après mon amulette de détection, nous avons bien changé d'époque, vers le passé. Essayons de savoir quelle est la date précise. Ah, allez, vas-y. Je vais conduire, je vais. C'est moi qui conduis. Marche. Tu connais mieux la zone. Oui. C'est vite dit ça. Je sais même plus si on a ouvert le coffre et derrière les bois. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres zones que hier parce que. Ouais. On avait été... Je vais aller par là pour changer. Ouais, fais. Porte, mon dieu, ça va être fermé. Enfin, en même temps, il y a un coffre derrière donc. Bonjour. Ah, Pétro. Bonjour. Pétronille. Vous venez pour le jardinage? Pétronille. Ouais, on vient pour planter des endives et des grosses tourtes. Ne l'écoutez pas, il est méchant. En plus, on peut pas planter une tourte. Ça dépend de la taille planter, de ton bondin. Oh, ça peut être mal pris, ça. Oui, j'allais dire, attends, elle est balèze, celle-là. N'écoutez personne. Oh. Petit problème de son. Ah oui, effectivement. Encore? D'ailleurs, je crois que c'était réglé. Nous ne faisons... Ah ouais. Il avait dit, hein, depuis la mise à jour, il y a quelques petits soucis de son. Ah, mais là, quand même. Bon, bah, désolé. C'est bien pour ça qu'on a eu des soucis de sauvegarde aussi. Et sinon. Ah, ouais, non, c'est le jeu, hein. Parce que tu vois qu'il est bloqué dans sa. Il essaie de faire sa phrase, mais il n'arrive pas à la faire. D'accord. Bon, pas grave. Qu'est-ce qu'ils ont foutu encore? Ils ont rushé? Pourtant, ils ont eu vachement le temps de le faire, bordel. Ah, oui, et puis bon, c'était prévu, quoi. Pas comme celui-là fait en dernier moment. Ok, mais bah y'a rien. Non, par contre y'avait un coffre, je crois, tout au bout, à droite. Je cherche. Ah, là. Oui. Ah ouais, c'est dingue, hein. C'est génial. Hein. Bracelet de force brute. Fini par Chrome, homme tellement puissant qu'on arrête de lancer les dés pour le calculer des dégâts. C'est putain de dire que l'ennemi est mort sur le coup. Ça, c'est la nouvelle. C'est le nouveau truc, parce que regarde, c'est du platinium. Ouais, ça. Espèce de drôle de couleur. On le changera quand j'ai fini de visiter. Ouais. Ce sera pour le barbare, de toute façon, c'est béni par Chrome. Bah, oui. Cherche pas. S'il y a c'est Chrome dessus. On va donner ça à l'ogre. Oh non, Chrome. Pour le nain. Ouais. Quoi, mais ça pue le bok. Ouais, je peux leur vendre. De l'argent. Oula, il y a un sale trou là. Dans leur mur.
des schtroumpfs. Mariage de nains. Du contre total. Oh le calme. Ah yes. Oh je l'ai même pas vu derrière les arbres. Ah, amulette des héros au bois dormant. Oh. T'en lis un peu, je me rends. Fonctionnant sur le principe de l'aspiration astrale des vents oniriques, cette amulette permet de continuer à participer au combat même aux portes de la mort. Oh cool. Débloque une compétence qui cible un allié inconscient et inflige des dégâts importants aux ennemis autour de lui. Oh putain vache. C'est super bien ça. Non, ça te permet de... Non, ça fait juste des super dégâts autour d'un cadavre. Et en même temps, ça, apparemment, ça te permet de résister aux portes de la mort. Donc je suppose qu'un coup qui devrait te tuer, peut-être te garde en vie avec un PV, ou... Peut-être que pendant tout un tour, tu ne peux pas mourir, je sais pas. On va voir ça portée de 8, c'est balèze. Ça cible un allié inconscient. Ouais. Bah, qui est KO, quoi. Bah ça tue, ouais, c'est le... Et ça fait des dégâts autour. Donc il faut le cibler, donc il faut mettre sur quelqu'un qui est conscient, donc ça va être sur un caster ou... Bah faut le mettre sur quelqu'un qui est pas mort, ouais. Pour cibler bah, éventuellement un mort. On verra après. Oui, ouais, on continue à... Ah mais non, on s'est pas parlé au... Je fouille. Au nain, là. Je fouille. Du coup, c'est des nains aussi. Ah, plus là. Ouvrir. Ah. Du coup, c'est des nains aussi, tu crois? Parce qu'on a déjà un nain, il est vachement plus grand que les espèces de gnomes. Ah non, c'est des gnomes. Bah oui, c'est des... Ah oui, j'avais plus le terme. Ah, on peut parler à la fermière, là. Bah, on va aller. Si, du moins, si on peut le parler. Bonjour. Ursula. Vous êtes là pour le recrutement? Encore là, le recrutement. Elle est mignonne. Ah, tout non, de suite. Je ne pense pas que nous soyons ceux que vous cherchez. Nous allons partir. Hein? Oui, partir. Au revoir. Là, tu dois toucher à rien, là, il voulait plus que toucher. Hein. Ah. Il voulait clairement. Il voulait faire même des attouchements. Non, c'est un mur. Ouais, bah, je. C'est terrible. Bon, bah, je crois que. Je cherche. Fait un beau petit tour, là. Ah. Oh. On peut pas lui parler, par contre. C'est... Ah, ouais, il y a plein de leviers. Ah, on peut pas les actionner. Non, tu peux pas encore. Parle. Piégeuse. Ouais. Juste un petit serré serré. Ah, peut-être que tu trouves un tournevis. Ah, c'est elle qui crée les pièges. D'accord. Ouais, tu peux lui trouver un tournevis. Ça, c'est les runes arcaniques explosives. Ouais, quand on marche dessus, bim. Il n'y a rien d'autre là-bas. Des gnomes. Toujours des gens. Non. Si tu vois un c'est corps, marrant parce qu'on peut parler aux gens qui n'ont même pas de bulles au-dessus de la tête. Oh, il y a eu un... Non, mais c'est l'écran. Parce qu'on regarde sur ça, il n'y a rien. Bon, bah écoute. Je continue. C'était joli. Il est bien le jardin. Ça c'est pour après, si je me souviens bien. En tout cas, ça s'ouvre. Ah non, ça me dit rien. Ah vas-y. Oula, il y a beaucoup de tuyaux. Ça me dit rien du tout. C'est bien, on découvre des nouveautés. Assistant de quoi? Ah, faudra arriver par l'autre côté. Ah, bonjour. L'énigmeuse. Bonjour, voilà. Monseigneur. Mon travail est presque terminé. Oui, monseigneur. Encore du travail. Bonjour. Des tournures. Des tournures de phrases pour les énigmes. Pardon, mais votre chaussette. Travail consiste en quoi, au juste? Chaussette. Eh bien, je suis l'énigmeuse, engagée par qui... monseigneur l'architecte, pour concevoir les énigmes spéciales de ce lieu. Ah, c'est toujours intéressant, une bonne énigme. Oui. Elle est parfois dressée. Pas comme les assemblages mécaniques hasardeux que certains incompétents nomment pièges. Je vois que la vieille rivalité entre piégeur et énigmeur est toujours vivace. Des siècles que cela dure et ce n'est pas prêt de s'arrêter. En tout cas, pour une fois que quelqu'un ne nous demande rien... En fait, si. Si vous voulez bien essayer les énigmes. Allez. Ah, les énigmes à essayer. Oui, là, c'est foutu, là. Si on a le temps. Oh, pas si énigmatique que ça. T'as peur de pas trouver les solutions? Pas du tout. Je suis spécialiste du solutionnage des... Oh oui, le solutionnage, bien sûr. Enfin, de trouver la réponse au... Et puis bon, faut savoir déléguer aussi. Oh bah oui, je délègue souvent, quand même. Et donc? Ça c'est tout. On va trouver les énigmes dans le donjon. Tu le re-ruparles, non? Le re-ruparles. Putain, ça veut rien dire. Toi aussi tu commences à créer des nouveaux mots. Eh ouais. Le solutionnage, tout ça. En fait, il est trop sobre. Ce Ben est trop sobre. T'es déjà allé là, ouais. Ouais, bah je regarde. Et là, je crois qu'on en revient. Ouais. Bon bah, écoute, je vais parfouiller un peu là au fond. Et puis alors, on va aller vers la zone. Là en bas, ouais. Et on va aller vers la zone. Là-bas. Là-bas. Ah, un petit gars. Tout à l'heure, on l'avait parlé hier, mais je vais remettre. Ouais.
En plus, elle a un point vert. C'est important. Ah, madame. Bonjour. Ah non, t'as le sceptre. Vous allez les faire fuir. J'ai pas vu. Les fourmis zébrées des collines. Je les cherche depuis plusieurs jours. Bien sûr. Maya, l'anto-magicienne. Non. Je crois que j'ai perdu sans réalité. T'avais dit que c'était Maya l'abeille. Maudite fourmi. Anto-magicienne, c'est une mage des insectes. Comme c'est Maya. Oui. Maya l'abeille, tu vois. Non, je l'ai pas faite, celle-là. Non. Il y a un autre là, oui, là. Hé, vous. Oui, vous. Le mec interpelle quelqu'un à 10 cm. Ouais, vous là-bas! J'en sais rien. Il met son doigt dans l'œil. Je ne suis que le sous-traitant du sous-traitant d'un fournisseur qui a un contrat avec des maçons, je crois. Et les maçons. Venir travailler ici. Et il est avec des bois. C'est logique. Je sais pas ce que je dois faire. Mais bon, tant que je suis payé. Intermittent de chantier. Bon, ben voilà. Imaginez les intermittents du chantier. Ouais. Donc c'est en ordre. Ben voilà, c'est un rideau. On va faire la suite. Bon, bah, les banzaï, hein. On aura au moins trouvé deux coffres, c'est cool. Ah oui, attends, je vais peut-être nous équiper. Ah oui, mets ça. Les nains font des cartes sur du granit. Inventaire, c'est plus lourd, mais ça dure, plus longtemps. Résistance à l'ivresse, ouais. Attends, je regarde quelqu'un qui a de la merde. C'est mon précieux. Force résistance physique, non, ça on va lui laisser. Ah, c'est de la merde. Intelligence esquive, ouais, on va laisser. Intelligence, elle a pas besoin. Hein. Endu, énergie max et endurance tour. Ouais. Mais attention, c'est pas pour lui. Hein, lui, c'est le bracelet qu'il lui faut. Attends, comparons. Bah, cherche pas. 3, 2, 2, attends, je te laisse regarder. Ah ouais, bah, c'est mieux. Ouais, c'est vraiment ça. Le mec, il est payé, il construit. Même s'il fait une étoile noire, il s'en branle, tu sais. Bon, bah, équipé, hein. Hop. Ah, cool. Chrome a le même chez lui. Ah, bah, en tout cas, il en... C'est bah, mon matériel. Le... Chrome a un bracelet béni par lui-même. C'est. Wouf. Bah, il a le droit d'avoir, il a le droit de s'aimer lui-même. Hein. T'as deux... Ah oui, t'as des précisions, on va peut-être laisser. Quoi même ce qu'il fait. Là, c'est juste des dégâts en fait, ce machin. Est-ce qu'il me reste de quoi prendre des notes. T'as quoi, deux intel, trois d'esquive, j'avoue que c'est on pas mal. On obtient plus de choses avec un mot gentil. Change de crit, tu peux mettre sur lui. Mot ouais. Tout seul. Allez, hop. Ça lui fera une capacité en plus. Voilà qui pourra améliorer. Alors mes que c'est pas lui qui meurt. Putain, la vache, j'avais pas vu qu'il avait un œil. En fait, il a tous les trucs du voleur, je crois. Je pense, oui. Ouais, ça a l'air, ouais. Il a même les petites bombes. Là, oh, il avait pas un stuff un peu. Non, on avait que de la merde. Un peu légendaire aussi, non, lui. Non, non. Il avait non, pas un stuff. Bah, on a eu légendaire, c'est tout ça. C'est juste qu'on lui met pas de casque. Ah oui. Oh, j'avais oublié. Oh, j'avais oublié que son arbalète repoussait l'ennemi, quoi. Pouch. Tellement de trucs qu'on a zappé. Allez, Banzai, combat. Allez, c'est parti vers les choses sérieuses. C'est beau, un moment qu'on a parlé, là. Mais. D'où vous sortez tous ? Voilà le maçon. Eh, hey, mais je vous connais, vous ? Moi, non, je... Vous devez confondre, mon ami. Pas du tout. Eh, hey, vous êtes un gros bonnet de la construction, mais par où vous êtes entré? On vous a pas vu bah, sortir. La porte du c'est derrière. Pas très clair. Et vous faites quoi? Vous par où vous êtes entré? Passe temporel. La vache, il est niveau 10. C'est balèze pour un maçon. C'est un signe du changement d'époque. Il y a 3 siècles au moins que la caisse des donjons a changé de système de niveau. Avant, tout était plus épique. Un simple gobelin pouvait être niveau 12. Ah, tu es tout le monde, hein. À cette époque, ça devait savater des mammouths. Et les trésors mammouths devaient déboîter. Sans doute. Mais le taux de survie des aventuriers débutants était assez... asymptotique. Asymptotique, c'est quand on a le rhume des foins. Voilà, voilà. Et sinon, voilà, vous avez voilà, dit que la date du jour. Ah bah facile. On est le 8e jour de la décade des géraniums gelés. D'accord. Demain c'est la paye. Non, voilà. Mais je veux dire, quelle année on est? Ça j'en sais rien. Et puis je m'en fous. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut qu'on avance le chantier. Je m'en fous. C'est bientôt la fin de la pause. Allez. Ah, par contre, le timing des pauses et... Oh putain la vache, on a une trace. Le timing des pauses ah, oui, et du paye, ça bien c'est pas un problème. C'est Oui, oui, j'avais fait la même déduction. Et quand je connais pas l'année, comment tu sais quand tu prends ta pension? Rien. Je laisse les experts de la caisse des donjons gérer les problèmes temporels. Ah la vache, c'est la première phrase qu'elle redit depuis qu'elle bouge. Je crois qu'elle râle. Ah ouais, non, bah. Tu peux parler, toi ? Je ne suis pas un permanent, vous savez. Ah, c'est intermittent aussi. Contractuel. Ne traînons pas. Essayons de trouver des traces du passage des équipes envoyées par Oswald. Oui, c'est. Eh, hey, mais c'est moi qui donne les ordres ici. Ah, c'est ça, ils sont ah, super. Ouais. Le docteur Oswald n'avait pas parlé d'un chef. Oswald Cobblepot. C'est gentil, ça. Un chef. On va aller par là pour changer. On a dit qu'on n'avait pas de chef. Ah oui. Ah oui, le cultiste de Dieu qui pion. Des gens sont en train de dormir ici. Tu parles d'un endroit pour une sieste. On dirait qu'ils portent des habits de culte. Sans doute de l'huile, vu les ronflements.
J'adore, quand tu ronfles directement, c'est bulle. N'importe quelle personne qui dort... vu le ronflement et les vêtements... Encore des mammouths partout, enfin. Évitons les ennuis. Qu'est-ce qu'il a avec les mammouths? Bah, y a que lui, je... J'aime bien évitons les ennuis, mais tu l'as quand même cliqué dessus pour lui parler. Ah, il y en a un autre là. Hein? Ah, là, oui. Si y en a d'autres... Ouais, bah c'est le seul qui a une petite bulle au-dessus de la tête. Parce que dans le nez. Ouais, pour l'instant, je vois pas d'autres qui pourraient arriver. Ouais. Bah, on commence au centre, non? C'est le bon souvenir. On va commencer là. Ouais. Ah! Bah, tu veux pas parler au mec? Ah, tu veux que je lui parle? Bon, ah, je sais pas. Mon avis, il va juste ronfler. Mais... Où tu veux? Ouais, je sais pas, il avait une bulle. On l'avait fait hier? Non. Ah, bah voilà. On peut essayer. Oui, il va sûrement encore ronfler, mais on sait jamais. Voilà. C'est comme ça? Non, mais ils font rien. Oh, je pensais qu'il y aurait une interaction. Non, je m'en doutais un peu. Oh, je suis déçu. Quand tu cliques sur le nouveau voleur, il fait la même truc que l'autre là, la petite zone anti-piège. Par contre, il y a une chose que je vais regarder, c'est les nouvelles compétences. Semblerait-il qu'on aurait des nouveaux trucs. Non, hein. Si. Ah, si. Bah, regarde. C'est les mêmes que l'arène, non? Non, non, c'est des nouvelles, regarde. C'est pas les mêmes qu'on a dans l'arène? Non, on a tous ces nouvelles, on a tout ça. Oui, enfin, ça c'est normal, c'est pas le même perso, mais. C'est quoi? Charge du géant vert. Géant vert. Burp amélioré. Ah, ça c'est bien. Encore. Repimenté. Oh là là. Ah, l'ancien nain, je vais pouvoir te faire encore plus de choses. Alors, on verra à ce moment-là. Au rat de puante. Ça sert à rien de dire maintenant, on verra plus tard. Ah, ça va péter, ça va péter. Quand, ah oui, oui, finalement, au rat de puante, ça va péter. Attendez, on vient. Soyons discrets. Non, moi je suis un barbare. Mais oui, parce que être à 8, on peut être discret. Il est mentalement limité. Ah, mais je suis physiquement balèze. Ah, c'est une fine équipe d'aventuriers, ça c'est un fait indéniable. Et je veux que le mur nord soit revu. Il y a une lézarde longue comme mon bras. Au besoin, faites-le. Ah, bah, si, la paladine, elle peut parer et faire. Une parade parfaite. Voilà, une parade parfaite, ça prend ça. Non, il y a Rototo Counter. Ça, tu le verras au sens, c'est Rototo Stunner. C'est vrai qu'elle se ressemble comme deux noisettes. C'est pas plutôt comme deux glands. Pourquoi il y a deux rangers? Ah, je vois. Encore des aventuriers. J'ai oublié. Écoutez, ça commence à être pénible. Je l'ai déjà dit 100 fois. Le donjon n'est pas encore ouvert au public. Il doit s'agir d'un malentendu. Rien du tout. Je vous vois venir. Vous voulez explorer. Mais laissez passer. 38. On peut faire ça? Ah, je ne peux pas le temps. Cool. Pas du tout. Nous sommes des... Testeurs de donjons. Je le vois bien. Et en plus, avec un déguisement grotesque. Comme si vous pouviez vous faire passer pour moi. L'ogre, j'avoue. Vous êtes regardé. Mon déguisement est assez grotesque en cuisinier. Peut-être que c'est mon ancêtre. J'en doute. L'architecte du donjon est mort sans descendance. Ah. C'est dans les archives de la caisse. Nous voudrions savoir... En tout cas, sans descendance connue. L'année de votre départ. Fichez le camp. À cause de gens comme vous, nous avons déjà des fantômes dans les caves. Quelle année votre départ, les zous? Et je n'ai même pas un vivant. Attendez. Et comment que je m'en vais? Pas de sanglier. On vous a fait ça l'île du plaisir. Là où la justice passe, le mort-vivant se fait repasser. Et en plus, ils ont un numéro de... Oh, j'aurais dit le mort-vivant se repasse. Garde, sortez. Comment il nous a traité, lui? Allez, sans faire d'histoire, on va vous raccompagner à la sortie. Bien du nez, lui, par contre. J'ai bien peur que cela ne soit impossible. Nous avons une mission impérieuse à accomplir. Vous sortez sans faire d'histoire, ou sans vos dents. Vous êtes deux. C'est même pas honorable. Ah, tu crois? Hé, à moi la garde. Ouais, c'est gueule, ça, quoi. Du répondant. À lui la garde. Allez, à lui la garde. T'as l'autre qui en rajoute une couche, je trouve ça génial. Allez, à lui la garde. Allez, ça va t'es, bon, bande de débiles. Allez, donc, un tanking là, elle est où ma pale? Là. Hop, en avant, Miss. Ok, voleur en arrière, c'est bien. On peut encore reculer encore un peu plus, pour être sûr. Ton nain, je le balancerai, donc regarde-le là. Ton nain, je le balancerai. Balance, 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 balance-moi. Voleur, tu peux l'avancer. Ouais, sérieux? Ouais, je le mettrai en fufu. Ok. Attends, il joue quand? Ah oui, non, on joue tous quasiment en premier. Attends. Y'a que le barbare et le nain qui jouent. Je vais juste passer, mais... Je vais le mettre carrément sur le... Ouais, je vais le mettre là en défense. Ah oui, c'est vrai qu'il est déjà bien planqué. C'est mieux. Okay. Voilà. Oh, s'il y a une zone, ils sont tous niqués. Hein. On s'en fout, faut qu'on aille. Ils sont tous là. Donc, bon, bah, banzai, hein. Ça me semble bien, baston. De toute façon, c'est toi qui commence. Ouais, bah, protection, hein, comme d'hab. Oula. Ouais, tactique. C'est bon. Ouais, non, c'était ça. Non, non, c'est ça, c'est juste. Ouais, tactique, protection. Sérieux ! Voilà. Et puis, je peux me déplacer. Ouais. Je pique la place à personne, là. Non, non. Non. On va commencer comme ça, alors. Hop. Voilà, c'est très bien. Ah moi. À toi. Alors, voyons. Non.
Je cherche. La patate des empires. Ouais, là, je sais pas ça. Ouais. Tu flingues un peu ma plante, mais c'est pas grave. Ah non, elle est pas destructible. Non, mais yes. je l'ai, c'est déjà bien. Tu peux juste faire un temps tour. Alors l'aile, je mets en position de tir. Ouais. Stabilisation. Attends, est-ce que c'est, c'est stabilisation, c'est le, ouais, l'avant-dernier. Je dois rester concentré. Ok. Okay. Le voleur. Fus. Furtif. Et je disparais. Là, je suis à vue. T'as vu partout, en même temps. Je vais le mettre là. Ouais, sprint, ouais, c'est bien. Tu pourras. N'oublie pas, je peux faire des points de passage. T'as pas là. Bah, si elle est là. Si elle est là. Oh, il meurt. Bon, bah, je vais t'encaisser de naze là. Elle est là comme ça. Je vais te faire un petit. Un petit def. Ah non, elle a sprinté. Merde, elle a sprinté, quel con. On va régler ça comme des pros. Qu'est-ce qu'il fait? Concentration de combat. Moi, j'ai oublié qu'il faisait ça, lui. Ah ah! El Barbaro! Bon, j'aurais bâtonné ce mec-là, en fait. Le beau Vernemousse. El Barbaro n'est pas crédible, n'est pas furtif, enfin. Ah, c'est ça qui fait. Non, pas ça. Baston! 3 successives à l'ennemi ciblé. Oh, oh, bah touche pas à la souris, t'es con, quoi. Eh oui, bah. T'allais me faire frapper! T'allais me faire frapper un allié! Carrément, toi! Tiens, mange! Toi, tu passes le tour. Ouais, je retarde. Viens voir ta gueule! Bon, lui, il est voir ta gueule! Mais pas cher, vous m'avez refroidi. Là, tu fais quoi là? Allez, il boost. À l'attaque! Je crois qu'il lui a donné une bulle. Allez, de plus. Allez, je te balance. Ah, balance-moi. Donc là. Là. Comme ça, sérieux? T'as pas là? Ouais, mais attends, il y a d'autres mecs en bas à tanker, non? Tu peux pas me balancer plus dans les. Là. Parce que là, de toute façon, là t'en touches deux et après c'est un à chaque fois. Ouais, mais la palle est déjà dessus. Bah alors t'es sur la. Ça ou alors tu es directement sur la l'archère. Ouais, mais l'archère. C'est parti! Tiens, putain, c'est un verre de mousse, tu m'as servi! Oui, c'est ça que je te dis, elle était super mousseuse! T'as entendu! Merci. Ah, tu peux encore te bouger. Attends, où est-ce que je vais coller Va le coller lui, hein. Il y avait une archère là, non? Ouais. Ouais. Bah, tu peux pas. Je vais aller le gêner là. Ça va. Si tu le dis. Je suis parce qu'elle essaie de venir, au moins, je suis pas loin. Ok, alors. Ça va saigner. Bonjour. Oh, ah, oh oui, parade. La parade. Ding. Tu crois quoi, toi? Le deuxième va taper. Qu'est-ce que tu crois? En piste. Ouais, je crois qu'il va dire. Ah non, ah, ouais. Non, là tu prends. Ah non. Eh. Partiel, ouais. 35 quand même. Allez, balèze. Il est cher. Ça vous aidera pour après. Ouais, on va sûrement se mettre en vigilance, une connerie. Ah non, oh, tiens. Oh, partiel. Ouais, où est-ce qu'il va? Tiens. Parade. C'est le mec qui part les flèches. Ah, là, vraiment, c'est sûr. Bonjour. Je crois pas qu'il va parler. Ah si. Oh oui, sur la vache, tiens. Partiel. Allez, on s'en sort bien. Je pourrais le stun, il est full vie, normalement. Là, de toute façon, elle, elle est obligée de bouger. Ouais, elle est obligée. Ouais, là, sur le. Oh, allez, encore une parade aussi. Partiel. Tu croyais quoi, qu'un nain s'est pas bougé? Oh, il y a plein de PV. C'est un sac. Celle-là, elle va tirer sur qui? Oh, non, là, ah, de dos, ça par contre, ça va. Oh, ça va. Ça va, j'ai connu pire. Attends, ah, deux fois. Ah ouais, elle a eu son boost. Elle a été bullée, hein. Ah ah, le nain. Oui, ou je... Comme tu veux. La magotte ou la archer. Ah, soigneuse, mais non, soigneuse. Attends, on va... La magotte, elle soigne. Oui, justement, on va la tanner, hein. On va la tanner. C'est pas un truc. Renversé. On n'a pas de soleil cruel, on a des rototos cruels, on a des stamps, on a des nains. Les chances de parer, elle m'attaquera pas. L'insulte, ça sert pour l'instant à rien. La torgnole, non. La tornade, non plus. Repousser de deux cases à coup de bouclier dans les dents. Non, c'est débile comme idée. Elle peut être. Attends, soigne également et taille tout. Ah oui, non, c'est soigne. Non, je la stun pas. Et retourne la scie vers le lanceur et le fait jouer en dernier à son prochain tour. C'était pour le tanky, mais ça sert à rien. Oui, non, parce que si elle joue en dernière, elle va. Je vais essayer de la renverser. Hein. Bah, renverse. Hein. Sérieusement, l'esquive, quoi. Alors. Ah non, il est pas full vie, zut. Non. Bah, tu peux lui foutre le feu. Full le feu, Zahir. Sinon, j'ai un coup de bouclier dans les dents. Où tu veux. Avec un peu de bol. Dommage. Ah, il a une résistance physique. Bah oui. Bon, bah, c'est bien comme ça, hein. Allez, le mec qui se mouche, ça lui de jouer, quoi. C'est ce que je veux. On est déjà au moins à 6 fois que tu te mouches.
J'en connais un qui a pas pris ses médocs. Si, si, mais j'ai un petit. Ah bah putain, faut pas demander si c'était. Putain, mais la bouteille, elle est pleine de mousse. Bah oui, ce que je te disais. Oh là je l'ai ouvert, j'ai fait putain. C'est une moussue. Alors, bon. Putain, je ressemble à boire un cappuccino. Bah, bois ton cappuccino. Oh, elle est super épaisse cette mousse. Bois ton cappuccino. Regardez ça. Ah, ça se voit pas bien la vidéo. Elle est super épaisse. J'ai réfléchi. Ah oui, non, il m'emmerde lui. Bah non. Attends, c'est qui Bah non, là, elle bouge comme elle veut, là, ma gueule. Alors, si je bouge là. Ou Dodo a un gros barbare T'es chaud, ah, j'ai réfléchi, hein. J'ai pas beaucoup de. Bah, tire sur le gros barbare, barbare, hein. Non. Si je lui fais une petite gifle. Ouais, il se pète la gueule sur la ouais, table. Ouais, tu peux essayer. Allez, attends, je suis pas sûr, je pense qu'un tir simple va marcher bien. Oui, aïe. Ah, il y a eu un truc. Est-ce que j'ai pas vu Berserk? Si, si, c'est comme les trolls. Oh merde. Ah ouais, il y a notre team call. Oh, ouais, tu peux pas tirer dessus. Faut que je bouge. C'est pas grave, attends. Hein. Alors, je le fais. Retard. Ouais. On le tuera. Alors, qu'est-ce que je vais aller me faire dans le. Ce serait bien d'aller douiller. Ouais, d'aller douiller la soigneuse. Ching ching ching. Rafale nerveuse. C'est parti. Tiens. Voilà, toute soigneuse. Le mérite m'en revient. Rien fait. Absolument. Je n'ai absolument rien fait. Et ah, la pale. Ben écoute, je peux du coup faire ma. Ah, rafale nerveuse, le tueur de tout. Je peux du coup. Oh, t'as vu? Skill desk, a skill common, defense skill, paladin, judge, s protection. Il y a un petit souci. Ah oh bah tout, hein. Skill name, a skill common, ouais, ouais, et en dessous c'est pareil. T'as même pas le nom du truc. Punaise. Ah si, ça a été corrigé, c'est un bug. Regarde, remets dessus. Quoi? Ah non. Non, c'était un autre truc. Oh la vache. Bonus de parade, attaque au corps à corps, qu'elle part, déclenche chaque fois une riposte, c'est ça. Traduction, hein, c'est une version bêta. On réglera ça en cassation. Tong. Voilà. Et puis c'est tout, je crois. Oui. Ouais, c'est tout. Ok, attends, non, je vais peut-être me mettre comme ça. Voilà. À moi, si il me contourne, j'ai l'air bête. Normalement, elle esquive, je crois. Ouais. Oh non, elle a une esquive de pétard. Oh, surtout quand elle est planquée. Quoi. Oh, il est encore de dos, barbare. Oh merde, allez, tue-moi ça parce qu'il m'emmerde, je sais pas tirer. Ouais, je le fais fouiller. Tout ce que tu veux, je m'en fous, tu le. Attends, quoique. Oh, non, tu c'est débile. Pas. La frappe normale, ça fait quoi? Non plus. Je peux le fouiller. Ouais. C'est l'autre. C'était ouais. Coup terrifiant. Ah, dégage. Avec un peu de bol, j'aurais peut-être attaque d'opportunité. Bah, ils vont tous les deux frapper en densité. Regarde. Voilà. Flac et le barbare aussi, normalement. Ah non. Oh oui. Bim. Et je le tuerai après. Ouais, il est loin. Ok, je peux tu peux aller le placer ailleurs, je le finirai. Bah attends, y'a pas un. L'archère, ouais. si, elle est là, je joue de côté. Ah, chouette. Là. Voilà. Ouais. Bonjour. On se connaît. Coucou. Je dirais pas qu'on va activer le mode assaut, on va activer le alors, mode. Alors, bah. Je vais aller voir celle-là, là. Je peux lui crier dessus. Elle est bien bloquée, elle peut rien faire. Mais je. Le paré du nain sert à rien. Non, je veux juste une, suite, non. Ouais, voilà. Une patatasse. Hein. Tiens, ta fesse. C'est parti. Donc, lui, ah, il boule. Ouais. Il va venir voir le ranger normalement. Non. Ah oui. Ah oui, concentration. Je crois que c'est juste pour mieux viser, je crois. Je sais plus. Mais merde. Faut lui la paix. Ah, c'est pas grave, c'est bon. Ah, tu peux t'amuser avec le choc sismique ouais, là, ouais. Ils ont résistance, mais c'est pas pour ça qu'ils ne peuvent pas éventuellement subir quand même. Rien d'important. Voilà, mais d'un, superbe. D'ailleurs, c'est. Ah, bonjour. Oh, tu vas où, toi ? Attaque d'opportunité. Dans ton cul. Voilà. Voilà. Ah, merde. Je vise la gauche. T'inquiète. J'estive. Oh, voilà, je prépare la riposte. Je prépare la riposte. Ah, mon dieu. Oh, pas critique. Oh, non, ta face. Ça, on n'a pas eu souvent, ça. Non, j'avoue. Ah, bonjour, vous. Et... Oh, encore une. Oh, elle, est... Bah, elle est morte, tu l'as fini. Elle est pas loin de la mort là. Allez hop là, une petite parade. Tiens, un coup de couette. Un coup de couette. Je l'ai mis en mode parade. Ah oui, on l'a oublié celle-là. Donc, Ah, oh, encore. Bah, elle est en mode super tanking elle. Hein. C'est vrai. Elle fait des parades critiques au corps à corps et elle part à crever de loin. Donc. Bon, par contre, pourquoi est-ce qu'il attaque elle? Lui, il m'emmerde. Ouais, je bouge. Je vais me mettre là. Tu peux, que... tu peux, hein, t'esquives toujours la première attaque. Hein. Ouais. Rappelle-toi, par contre, tu as perdu ta. Bah tant pis, mais il m'emmerde là. Ouais. Bah tire du coup. Un tir, un mort. Non. Si je peux rebondir, est-ce que je peux. Non, ça c'est tir loin. Non. Voilà, celui-là. Ah, ça rebondira, ouais. Ça fait deux. Là. Celle-là est quasi morte là. Ah, là j'en fais trois.
Ouais, mais celle-là est quasi morte en bas. Ouais, mais ça rebondit pas. Ouais, mais tu as un tir normal, hein. Finish him, hein. Je sais pas si ça va la tuer. Ouais, si je touche. Y'a. Voilà, finish him. Je suis mort. Finish him. Ah, il veut lui mettre une baffe. Oh. C'est oh, il le réveille. Ouais, c'est le truc du babal. Bah, du c'est, c'est débile parce qu'il a, il a déjà passé son tour, celui-là, donc. Ton ranger. Ah oui, ah oui, il est arrivé, j'avais oublié. Ouf. Ah oui, c'est comme ça que ça s'est fait poutrer la face. On ne s'est pas fait poutrer, mais on a eu du mal. À part lui taper dessus, j'ai pas beaucoup de choix. C'est pas mal, ce serait déjà un bon but. Oh, en même temps, je crois pas se le tuer. Voilà, il est en feu. Bon, en tout cas, il flambe. Oh. Il est en feu. Ah oui, j'avais dit que je tuerais celui-là. Ouais. Oh, avec un tir simple, hein. Bah, une attaque simple, non? Je sais pas si je ferais 7 dégâts. Je suis là, hein. Je suis dans le dos, théoriquement. En plus, il est dans le dos. Dis. Voilà, bim bim. Je bouge pas. Dès qu'ils arrivent, je vais les geler. Bah, tu veux pas te planquer un peu plus dans le coin, là? Bah, j'ai l'autre qui m'en. Ouf. Ah, je pensais à. Bah, là, non, j'ai l'autre qui va me prendre. Je sais pas. Alors. Ils vont te sauter dessus. T'as qui, là? Un tir à mort. Ah, encore ça. Non. Ah, je peux peut-être le tuer avec un bête tir, lui. Il va pas flamber et mourir au premier tour? J'en sais rien, soit ça fait 32 dégâts, soit ça fait moins, je sais ou pas. Ou justement, celui qui te gêne là, au-dessus. Il mourra. Ouf, je te fais rien. Là. Ouais, là je peux lui faire mal, ça, ouais. Patate. Ouais. Allez, prends un petit critique et t'es... Oh, il s'est fourné. C'est une parade. Partiel. Oh, il a quand même pris cher. Ouais, ouais, mais imagine s'il avait pas pris la parade, quoi. Ah, je sais bien. Tant pis. On fait avec ce qu'on a. Le voleur, bah tu peux alors, aller... Alors lui, je peux les déguer celui-là. Ouais, mais... On s'en fout, c'est un caster qui arrive. Ok. Qui voit dague lui le cul, frappe sur l'oise. Ouais, ça n'a pas l'air vraiment, mais ok. Oh, du sérieux, dans mes plans. Pourquoi c'est toujours le voleur qui fait de la merde? Nul, lui, mais ah oui, par contre, je peux pas faire ça sinon je te crame. Putain, qu'est-ce que t'es venu foutre là? Chiant, va tuer quelque chose, mais t'as l'anneau, hein? Non, cône, bah je vais attendre que les mecs débarquent. Ouais. Ils vont tous être... Je me barrerai. Ah non, t'es encore dans la merde. Bah, je barrerai mon voleur. Qu'est-ce que t'es chiant, hein. Allez, frappe. Il est de dos. Voilà. C'est... Oh, tu l'as fait fuir. Oh oui, génial. Et bim. Allez. Et oh, bim. Allez, ah, est presque mort. Il est allé se mettre dans le coin. Bon bah, du coup, je lui fais face à lui. Ok, El Barbaro. Ah oui. Bon bah. Bonjour. Vous avez voulu fuir, mais... Attaque de flanc. Oh, je les stun en plus. Oh, mais c'est génial, ma parole. Bon, si j'allais... Ah bah, je vais la coller, elle. Putain, elle est bloquée, en plus, si je vais là. Elle peut rien faire. Normalement, ouais. Bonjour. Allez, à moi. Raté. Et hop, j'ai une savonnette. Alors, si je me mets là, je peux faire un burp. Ah bah oui, il est tout seul. Un beurre sur... Ouais, j'allais dire, un beurre sur tes potes. Ouais, elle jouera pas. Tuer. Là, ouais, non, c'est bon, il y a juste lui que je dois ah tuer. Ouais, bah, va t'amener dessus. Par contre, s'ils arrivent, je sais directement... Ouais, tu sais bien, ouais, rapproche-toi de lui là. Et frappe. Hein. À mon avis, normal, c'est t'as pas besoin de faire un gros truc. Voilà. Tonk. Un petit 94. Ah, berserk. Mal. Ah. Oh, oh, il bouge. Ah, il tente de fuir. Oh, allez, encore un coup dans le cul. Oh là 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 là. Oh, c'est le voleur à frapper, quoi. Ah, il va l'arriver. Oh, bah, tu peux en tuer deux avec bah, le barbare. Bah, super, ce du coup, il fait rien en faisant ça. Oh, la vache. Aïe. Oh, oh, joli. Alors, je touche pas, mais eux non plus. Bonjour. Ah. Bon, bah... T'as le regard. Oh, oh non, je le savais. Je le savais. Je savais que je devais le tuer. Ouais, bah il brûle toujours. Ah bah je peux me barrer en fait. Si, hein, il brûle toujours. Hein. Si, je croyais qu'il avait arrêté. Putain. Je peux me casser, il va mourir. Il mourra au prochain tour. Oh, du stun. Tu veux, j'allais mettre une baffe. Non, non, ça va aller. Bon, tue-moi ça. Bah non, il est mort. Ah oui, c'est vrai. Ah, par contre, si je bouge, il me touche. Bah ouais. Non, c'est con, par contre. Tu peux pas tirer, tu peux rien faire. Non. Bah tue-le. Pas d'espoir, non. Non, tue-le, tu pourras bouger après. La cible est immobilisée. Oh. Le gros alors. Ouais. Lui là. Hein. Ouais. S'il se rate pas. Bah merde hein. Voilà, c'est bon. Superbe. À moi de jouer. Et je reste comme ça, c'est bien. Oh, je vais me faire plaisir avec la magotte. Ah j'avoue, ouais. Ouais.
Une pluie ou un waza là. Attends, faudrait que je mette en vue. Ouais, là je serais peut-être en vue, tu penses? Essaye, en là. Même temps. Mais là j'ai le pilier donc j'ai. Ah non, non, mais mets-toi dans le coin, hein. Au moins tu le protèges. Hein. Ouais. Je vais me mettre là, hop. Pente. Voilà. Petit tourbillon de waza. Oh oh oh. Merde! Ah zut. Ah, c'est trop dangereux ça. À point que. Non. Non plus. Ah, sinon, on fait les mecs là, hein, les deux là. Hein. Ouais, bah je vais faire ça, pas le choix. Il y en a déjà un qui est immobilisé, t'es sûr que. Hein, on sait qu'un tir de glace sur le dernier était mieux. Oh, oh ouais, double critique, double critique. Bah, il était déjà immobilisé. T'as ah, il faut la tuer vite celle-là. T'as juste vraiment voulu, quoi. Promotion éclair. C'est ça, oh. viens. Et personne à la frapper. Alors, enfin, oula, ah oui, il est par contre. Oh, je peux le finir crème avec du poison, il est mort autour d'après. Oh, ouais, effectivement, allez. De toute façon, je peux pas bouger, je suis encerclé. Il peut pas esquiver les premières attaques. Ouais, il est mort, il est mort. Tourne-toi face à eux, par contre. Hein. Ouais. Ok. Bah, je vais aller chier celle-là. Ou je fais les deux là. Bah la magotte, tu pourras t'en occuper avec le barbare, parce que en fait la recherche, je crois que je pourrais la finir facile. Et l'autre, il est mort. Celui-là, là ? Ouais, vas-y. Je vais là ? Non, tu le gros. Celui-là, hein ? Ouais. Ok. C'est le plus embêtant. Et je crois que tu peux faire un feu, hein, au milieu. Hein ? Tu peux faire un feu... Bah, je vais cramer ton pote. Non, on va pas si tu le mets... Ah, le glaive ? Attends. Non, à côté. Regarde. Ouais, ouais, Si tu mets la zone juste à la limite, là, après, voilà. Ah non, merde, ouais, non. Ouais, non, la merde, j'ai dit des conneries, j'ai dit des conneries. La merde, tes idées. Non plus. Ah, t'avais bougé, mais t'as pas bougé. Ça procède aux alliés dans la zone. Non, ouvre boîte. Ah, ouvre boîte. Ça devrait le tuer. Ouais, mais y a pas loin d'être mort. Ça sert à rien. Je vais essayer de le stun. Si je rappelle pas. Non, vas-y, c'est zut. Bon, tant pis. On va par contre, il va. Ouais. C'est bon. Il va peut-être te toucher. Non, il va pas attaquer. C'est le con. Le con. Ah, ouais, ok. Là, il est mort. Oh, de merde. Bonjour. Ah, il me frappe. Oh, l'attaque de flanc. Oh, encore. Ouais, Steve. Bon, bah, finis-moi ça, hein. Finis-moi. Soit tu fais la mage, soit tu fais l'archer. Ah, j'irai avec l'ogre. Fais la mage. Fais l'archer. Ouais, c'est Storm. Oh, attention. Et hop, plus 15. Et puis, je vais la coller, elle. Hein. Ouais. Bonjour. On est souvent par ici. Alors ton infini, bah ouais, forcément. Oh. Là, tu peux peut-être la charger même. Ouais. Bah, plus c'est long, et plus je la blesse, mais... Ah, attends, je peux peut-être d'abord marcher et puis la charger pour faire encore ouais, plus loin. Ouais, tu peux. Parce que plus il fait de distance, plus il fait mal, je crois. C'est ça. Ouais. Brah. Ah bah les soldats, ils touchent un petit peu, mais... Mais voilà, on a tellement de matos, on a tellement boosté ah, nos persos a, que... Alors ils sont stun. On n'est pas venu à poil quoi, c'est ça que je veux dire. Allez, bah soit tu tabasses le mec en dessous de toi ou l'épée d'invocatrice là. Le repousser, personne le frappera. Hein. Je trouve ça un peu bof. Parce que le burp. Non, bon, une patate simple, hein, ça marche aussi. Un gnolo, hein. Ça fait 2 dégâts. Allez gnolo. Ouais, allez. Avec un peu de chance. Oh merde, parade. Il en part un. Il en part un. C'est déjà ça. Donc voilà, c'est un par un. C'est bien. Alors, voilà. Il est mort. On en parle plus. Ils sont stun. Elle doit jouer, mais je la colle, donc et... tiens, prends une patate. Bon, tu sais la finir après, je pense. Ouais. Ah, je fais courir là dans le cul. Je fais courir après, quoi, la fille. Oh, comme elle m'a envoyé chier. Ah, que 14, ça va. Ah, bah tiens, ça vient de jouer. Comme elle m'a envoyé chier. Épée chargée, hein. Hein? Ton épée chargée, hein, tu l'épée chargée, ça marche vraiment. Non, l'autre. Ah oui, ouais, c'est le premier coup. Ouais, mais c'est un 67. J'ai l'impression que je fais aussi mal avec ça. Bah oui, regarde, l'épée de base fait aussi mal. Tire d'aspect, ça sert à rien. Le soin non plus. Ouais, bah je vais faire. Attends. Le gros est plus chiant, non? Ouais, faire le gros. En plus, il est stun. Oh, je l'ai flambé. Génial. Super. Attends, bah par contre, je vais me casser. On gère mieux qu'hier. Ouais, tout de suite, quand je suis un petit peu plus... dans le jeu. Bah tiens, amuse-toi. Oh ouais. Ah, c'est beau, ça. T'as pas encore les gelés, en plus. Ouais, et en plus, maintenant, ils sont gelés.
Oh, les pauvres. Mais bon, rien faire de la partie. Oh la vache, on serait dans Seven Deadly. Je jetterais mon téléphone. Ça fait deux tours qu'ils sont pas bougés. Alors, je bouge pas. On me stun. On me gêne. J'en ai marre. Oh là là. Le mec sous ton ogre. Ah, tu peux pas tirer. Non, merde. Attends, je vais aller me mettre. Ah, il est lourd, lui. Il est chiant. Si je me mets là, je suis pas. Ah, oh, t'as apporté de tout là. Ouais, c'est bien ça. Mettre là-bas, sur une rate. Voilà, tire dessus à la limite ou finish la chiante là. Tu peux pas finish celle entre les deux trucs avec. Oh non, ça c'est la. Non, je cherche le sniper, voilà, tire lointain. Non. Non. Et celui devant ta magotte. Je vais essayer de pas faire qu'il bouge. Si je fais ça. Ah, c'est beau ça, je ouais. Peux peut-être ouais. Tuer celui-là en dessous. Ouais, essaye. Oh, merde, ça touche dans la boîte. Brah, dans la pièce. Alors, faites-vous faire quelque chose, mais pas ce que vous voulez. Bon, bah, vas-y, finish-le. Ouais, non, je vais le faire frontal. Hein. Allez, frontal, tiens. Et puis, tu peux bouger. Non, faut que je me mette face à l'autre con. Ah oui, merde. T'esquives pas la première attaque aussi? Pas sûr. Je crois que t'esquivais la première. Je sais pas si j'ai toujours cet équipement-là. C'est le glaive, mais... Non, il va bouger. Bah si, eux, ils bougeront pas. Non, ils feront plus rien. Hein. Bah, justement, attends, je peux... Non, mais finis celui-là, c'est le plus dangereux. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je pensais que t'allais le finir avec le ogre, mais... Ouais, mais même, il a quand même 140... Oh 140... Le tien. Voilà. Le tien. Oh oui. Bon, bah, le nain va aller le chercher. Hein. Ouais. Bon, bah, écoute... Bouge-le. Non, je peux pas le... Non, il y a l'archer en dessous, hein. On va la coller. Où? Là. Ah oui, j'avais oublié celle-là. Ah, attends, j'ai pas de... C'est bizarre, là. Voilà. Voilà. Putain, elle arrête pas de se faire coller depuis le début, à chaque fois, il y a quelqu'un qui fait... J'en ai marre. Ah non, voilà. Bonjour. Il a dû sprinter, le pauvre, tellement il était loin. Oh, je reviens, je voulais revenir où j'étais. Ah, attends. Parce que, alors, le kick sert à rien, le triple ah, le fear, coup, le fear, pas le mal. Fear, le fear. Ouais, le coup terrifiant. Mais personne la regarde. C'est pas ah grave. Non, c'est une magotte, il faut pas que je la fire, il faut qu'elle reste à côté de moi. Elle peut rien faire tant qu'elle est face à moi, je crois. Ouais, le triple coup. Je vais la baston. Oh, c'est plus critique, elle est morte. Ah ouais. Oh, elle est esquivée, hein. Oh, elle est esquivée, l'attaque, elle est dégoûtée. C'est désespérant. Moi, je reste comme ça. Ah, bah, suite d'être. Je sais pas, parce qu'ils sont vraiment à genoux, l'un en face de l'autre. Ça fait penser à Naked Guy, là. Ils sont. On va se tirer dessus à un mètre, là. Bah, là, c'est surtout, t'as les deux. J'ai limite en duel de nains, là, tu vois. Ils sont... ouais. T'as l'un qui tire son bateau, l'autre son épée. Allez, on va finir. On va finish him. Enfin, finisher. Oh non. Mais non, sérieux. Tiens, dans ta face. Oh non. Il m'a touché dans le gras. Aïe. Ouais, non, ils ont tout, ils sont stun. Allez, vas-y. Ah, oh, oui, mais voilà, t'avais fait garder ton burpee. Et burp. Oh, un petit burpee. Oh, j'ai mal digéré, j'ai burpee, mangé. Burpee, papa. Allez, un stun. L'autre a résisté, c'est le même. Pauvre gars qui avait fait son sprint, il aura encore rien fait de la partie non plus. Il a fait, bon, j'ai sprinté, moi je pourrais jouer. Lui il en a marre, bon. Il est immobilisé, stun, gelé. Et elle, c'est le bout. Allez, mort. Allez, maman. La vache. C'était pas une bonne idée. Arrêtez. Elle est déjà morte. Oh, elle, c'est le bout, elle est morte aussi. Ah. Elle est là. Ah. Qu'est-ce croche, ouais. Ah, elle bouge, ouais. Ah, elle met une petite bulle. Bah, si on le tue, ça servira à rien. Oh, il est mort après. Voilà, elle bouge pas. Elle regarde ton barbare. T'avais pas l'anneau de flamme avec lui, où je l'ai enlevé? Tu l'as mis à la barbe, à la paladine. Ah oui, c'est vrai. Parce que bon, là, oh, remarque. Ils sont quasi morts. Hein. Ah, je peux pas vigiler. Vigiler. Tu vigiles? Ah oui, les compétences cancer et tous les stuns et les machins, j'avoue que c'est bien dégueulasse. Bon, écoute... Bah, on a choisi un jeu crade, mais au moins, on sait, parce qu'une fois, on s'était fait une partie propre, on s'était fait défoncer par une bande de voleurs. Défoncé. Ah, depuis, on joue sale, Bah écoute, je vais mettre là, je vais mettre vigilance sur eux, s'ils bougent, ils se prennent une flèche. Bah tu tires une flèche, hein. Ils seront morts le tour d'après. Je peux pas tirer là, je les ai pas en vue. Non mais justement, tu te mets là et tu tires dessus. Attends, je me mets là. Ouais, tu tires dessus. On est d'accord. T'es sûr? Si je vigilance, attends, il a combien? Le gros. Il a 3, hein. Ouais mais ils vont pas agir maintenant, hein. Si? Bah si, au prochain tour ils bougent, hein. Ah bon. Justement. Ouais. Tu peux toucher le. Ouais, bah le. Ouais, celui-là. C'est... Je crois que je touche les deux là, non? Non. C'est... Elle fait pas un trajet en touchant non. Les deux? Non. À moins que t'aies la gifle et que t'éjectes le gros sur le petit. Eh. Ouais, on va voir. Voir hein. Écoute. En même temps.
Ah, voilà. Bah dommage. Ah, il a pris des dégâts. L'autre était déroute. Ah oui, ah, ils vont fuir. En même temps, il reste pas grand monde à dérouter. tu veux aller quelque part avec ta mage pendant que tu te mouches? Non, je pense pas. Ouais. Ah, bah attends. Ah, encore à elle. Ah non. Ah bah si, encore à elle. Oh la vache. Oh la 3 PV. Oh la fouille avec 3 PV, sérieux. Merde, on a perdu l'XP. Elle a fouille avec 3 PV. T'as fait dégoûter. Elle a joué soin et puis elle a fouillé. Ouais. Avec 3 PV. Attends, moi je veux pas te laisser fuir. Lui il est quoi? Oh, il a soigné à crever. Non, toi, tu bouges pas. Ou le gelé là. Attends, bouge. Non, il bougera pas. Bah, de toute façon, il bougera pas, il attraquera les autres. Bah, enfin. Non, il va fuir. Il bougera plus. Ah oui, t'as raison, il s'en déroute. Attends, il fuit pas, il est. Non, ah, merde, il est pas arrêté. Zut. Bah, il est pas attaqué quand même. Non, j'ai cru. Ah non. Je l'ai pas figé. Bah, c'est bon pour toi? Ouais. Chose trap. Ah, il tient, hein. Je le laisse pas fuir. Sur Ostrap, ça l'empêche pas de bouger, hein. Ça le blesse quand il marche, mais... Merde, il a résisté aussi. T'aurais dû finir le stun, hein. Qu'est-ce que t'as branlé? Bah, bouge, hein, maintenant. Va le coller, alors. Colle-le, pour qu'il fouille. Là, peut-être. Dans son dos. Il sera obligé, toi, de passer là, si tu mets le barbare. Ouais. Bon, allez à moi. Va le stun, on va essayer de le stun. Celui-là, il est toujours... Ah oui, c'est maintenant qu'il jouera pas. Oui. Ah non, je sprint. Ah, mais par là. Voilà, essaye de voir si tu peux pas le stun, l'ouvre-boîte, n'importe quoi. Ouais, je peux l'ouvre-boîte. Si je l'ouvre-boîte, en fuyant, il va subir cher. Voilà. Tout le monde va le dégommer, quoi, le pauvre. Allez, tue-moi ça. Bah, il est déjà mort. Finis-le quand même. C'est de l'acharnement. Je veux l'XP. Je suis désolé. Il était déjà mort, il allait mourir. C'est juste de l'acharnement. Bon, le nain, allez hop. Attends, j'ai pas fini. Ah, t'en aurais pu laisser la place pour le nain, enfin bref. C'est quoi? Non, le nain, il va aller chercher celui-là. On s'en fout, celui-là, il a... Ah oui, non, c'est vrai qu'il peut se barrer par là. Ouais, hein, il peut se barrer, hein. Ouais. Il peut se barrer. Donc on va se mettre comme ça et... Tire-lui dessus à la flèche. Ouais. Ou je mets vigilance aussi, j'ai combien de tirs? Un seul, deux. Un tir. Ah, c'est beau, ça. Et hop. Tiens. Dans tes genoux. Tiens, le mec est... Aïe. Donc s'il fouille, normalement, il se prend la flèche de vigilance du ranger et ça devrait le tuer. Si c'est de dos, ouais. Ce sera de dos. Prends ça, fionne. Oh non, lui aussi. Ah non, il est mort. Oui. Personne ne fouille. Toi, tu n'iras nulle part. Ouais, repousse-le, hein. T'as pas le coup de bidon? Il va se faire dégommer par tout le monde. Ouais, vas-y. Il va se faire tellement dégommer. Oh. Et voilà. On a perdu qu'un. Et 3 PV quoi, je suis dégoûté. Bah c'est parce que c'est soigné, hein, sinon elle était morte. Non, elle s'est pas soignée elle, hein. Si. Si, elle a fait la soigne. Ah oui, elle a fait une soigne de zone. Alors... Anneau de réflexion stellaire. Oula. Ah, le violet c'est vraiment une mauvaise couleur. Bague de puissance très recherchée pour mettre un terme à tout problème à une table de jeu de cartes. Permet de supprimer d'un geste 4 gêneurs. Sans suer, une seule goutte. Débloque une compétence qui rebondit sur plusieurs ennemis aléatoires infligeant des dégâts dégressifs. Ah oui, 100, 90, 87. 3, et... faut être quand même au corps à corps. Ouais, et 100, c'est déjà beaucoup de dégâts. Hein. Ouais, et ça, c'est éviter les flèches. Oh! L'attaque, c'est bien, mais les fers avec style et grâce, c'est mieux. 6 de parade, 6 de. Je fous ça sur le voleur. Je fous ça sur le voleur. Ouais, parce que là, le tanking, il gère déjà bien. Donc. Allez, on prend tout. On a... De toute façon, on n'aura pas le choix. Zou. Allez, suite de l'histoire. Rapide, je ne sais pas. Simple, j'avoue, c'était plutôt simple. Les soins. Mais rapide, ça l'est jamais dans le jeu. Sur ton voleur, quand même. Hein sur ton ranger. Ouais. Un petit coup sur la paline. Allez. Et c'est bon. C'est bien. Et si on trouve une auberge, on fait un petit dodo. Je suis pas sûr. Hein, mais vous êtes des grands malades. À quel grand moment malade. Vous dites que pour préserver le continuum espace-temps, il faut tuer des gardes? Parce que ils sont hors de combat, ils sont plus, pas morts. À aucun moment vous ne vous êtes dit, tiens, et si on faisait un prisonnier pour l'interroger? Les prisonniers, c'est pour les faibles. C'est pour les faibles. Essayons d'y voir clair. On nous a parlé de fantômes à la cave. Ah bon, qui a dit ça? Trouver un accès. Peut-être que les gars de la caisse. Ah oui, l'architecte qui faisait le clown. Bon, j'ai complètement zappé. En même temps, on parlait pendant. Bon, la cave, les fantômes, je suis d'accord. Il un peu le pinard. Mais cela ne veut pas dire que je ne suis plus le chef. Pas de malentendu. Bon, je te le dirai. Tu auras malentendu. Je vais te rechercher des vivres et tout ça. Allez, c'est ça. Et donc, il a. Ah ouais, il a. Oh, tiens, c'est moi ou sa zone est vachement plus grande que.
l'autre voleur, non ? Jamais. Bah, sauf quand on voit des pièges, quoi. Il est où, mon nain ? Ah, il est là. Yeah. Bon, alors ? Y'a même pas des trucs à piller sur les cadavres ? J'avais vu une porte par là. Ou un trou. Ah oui, une porte. Bonjour. Ah, putain, c'est les cuisines. Ou les chiottes. Ah non, c'est les chiottes. Comment j'ai fait pour confondre des cuisines et des chiottes ? Plus personne ne viendra manger chez moi. Bah moi. Mais... Ah oui, bah, c'est marrant parce que je lui réponds dans la piste à côté, mais vous l'entendez pas. Ah, Balthazar, le vendeur du bazar. Pesterie. La mauvaise monnaie. Tous ces seigneurs qui usent et abusent des dévaluations monétaires pour remplir leurs caisses. C'est-à-dire que nous venons de fort loin et j'imagine que nos monnaies n'ont pas cours ici. De quoi ? L'or, c'est l'or ? Les monnaies humaines ont toujours comporté une part variable d'or et d'autres métaux au fil de l'histoire. Ah merde, on va pas me faire croire que le pognon qu'on donne sert à rien quand même. Vous êtes tarés, ces humains. Voyons votre trésor non, de monnaie. Hé, bas les pattes. Ça va, c'est un marchand et il est tout seul. Ouais. Bah justement, on va lui pourrir sa face. J'adore son espèce de casque de Loki qu'il a, quoi, le nain. On dirait des monnaies de cirque pour enfants. De quoi ? Oh, ouf, ouf, répète un peu pour voir. Par bonheur, je peux vous changer tout ça au poids, en estimant la quantité d'or. Ça sent l'arnaque. On va compter une pièce après l'autre. Oh, misère. Harmonie de patience. Bah non, mais je regarde. C'était une... Après un long... Peut-être fermenté en bouteille, peut-être pour pas qu'elle mousse tout de suite. Un long moment passé à compter. Ah ouais, il compte toutes les pièces. C'était la dernière. Vous êtes dur en affaires, maître nain. Normal, quoi. Bon, nous sommes d'accord sur le taux de change. Je suis un nain, connard. La qualité des pièces, les droits de commission et les frais. Et le prorata des conneries que t'as déblatérées. C'est un peu de l'arnaque. Certes, mais la qualité est meilleure, convenez-en. C'est important, la qualité pour les nains. Ah putain, ils jouent sur les corps sensibles. Je vais recompter quand même. Ah non. Je veux pas mourir de vieillesse. Nous avons tout compté, je crois. Pas la peine d'en rajouter. Pas moi. Ah bah si, rajoute-en. Ça fait un, deux, plein. C'est tout. Beaucoup. Ouais, enfin, ça fait pas beaucoup de pièces à la fin, même si elles sont plus grosses et en or pur. Fâcherie d'évaluation. Bah, si elles sont en or pur, elles sont pas plus balèzes que les pièces d'avant. Ces monnaies antiques vaudront fort cher lorsque nous serons revenus dans le présent. Ah ouais, pas con. Bon, c'est grâce à moi. Du coup, j'aurai une prime. J'aurai une prime. Misère. Et voilà. Je dirais bien que c'est un plaisir de faire des affaires avec vous, mais je crois avoir connu des visites chez le dentiste moins douloureuses. Autre chose ? Bah, du coup, il a peut-être... Ah, on a perdu 67 627 pièces d'or, bordel de merde ! Et ça fait tellement mal au cul ! Et t'avais payé pourquoi ? On n'a pas payé, on a échangé sur la monnaie actuelle. Ah bah putain, on n'a pas besoin de se soigner, on peut se reposer. Bon, on se repose. Et on a gagné combien ? Et on a gagné combien ? Je ne sais pas. On va le savoir tout de suite. Nous avons... C'est où ? 5600 ! Je suis pas sûr au prorata du machin. On s'est fait méchamment enculer ! La vache ! Attends, équipe déjà l'anneau. C'est quoi cette inflation ? Ah oui, on avait dit... Attends, je regarde. Attends, discutons. Oui, d'accord, tu m'envoies. Ah ! On peut peut-être acheter des trucs. Ouais, c'est ça, c'est ce que je voulais faire, mais je pensais pas qu'en cliquant à côté, j'allais me balader. Ah oui, voilà. Oh là là, c'est tellement. Ouh la vache ! Ah oui, c'est cher, hein. Putain, j'aurais bien voulu garder mes 67 000, hein. J'avoue. Ouais, non, effectivement, pourtant, c'est le mec à comprendre. Grandement la protection d'un allié pendant un temps limité avant de diminuer jusqu'à la fin. Ah, pas bon, ça. Sympa. Non, pas bon. Bah si. Mais ça diminue tout le temps ou ça diminue juste... Bah non, t'as moins 10 à chaque truc, mais d'abord t'as 5 ans de protection. Attends, puis Breeze Rock, ça doit être pour ton barbare. Breeze Rock, diminue la protection des spies dans la zone. Oh, dans la zone. Dans la zone. Grandement la protection, on l'a vu. Si un allié diminue la résistance physique et magique des ennemis autour de lui. Ouf, putain. Dans les premiers, y'a rien. Non. Pas trop de trucs. Là, c'est à 50% de chance d'être gelé. Maou, oh 13 500 pièces d'or. La cible est enflammée directement, voilà, on cherche pas. La cible subit l'état tranche tendon puis est repoussée de 3 cases. Mais c'est dégueulasse! Parce que c'est la tranche tendon qu'elle recule 3 cases, elle perd 3 cases de vie sur tranche tendon. Oh, c'est ignoble!
Tant que le barbare a plus de 50% de ses points de vie, il gagne plus 20 en régénération d'endurance par tour. Ouais, la Know the One. Bah, on en est pas loin. Hein. Ah non, il n'y a rien. Le cheval de Troie. Ah, une connaissance passive pour équiper cet objet. Ah, tiens. Ceinture de clutch. Ah, gagne plus 2 en impact magique par héros en vie. Maou. Un elfique a rien. En vibranium. L'agent est passé une compétence. Zut. Vibranium. Tant que la paladine est adjacente à un héros, elle gagne plus 4 en courage. Bon, c'est juste qu'elle joue plus vite, mais c'est pas grave. Ah, il y a même des tombes. Elle détaille les attaques d'opportunité et a 50% de chance d'affilier étourdi autour de la cible. Renvoie 200% des dégâts. Ah, voilà une potion full counter. En ses attaquants, les effets de cette potion durent un tour. Ah, ouais, quand t'es encerclé avec un tanker, ça peut être bien. Dure jusqu'à la fin du combat. Oh, et c'est quoi? Soin 50, courage 10, points de vie par tour, 50 points de vie par tour. Trop crade. Ah, t'es le cher les potions, hein, mission. Ouais, ah oui, bah, évidemment. Confère un point d'action supplémentaire, ces potions durent un tour. Bof. Tunique, non. Bien nature. Ah bah c'est tout. Ah, par contre, les arbalètes, elles sont fumées, quoi. Là, une chance sur deux de geler. Tu brûles, et là, tu tranches ton dos et tu repousses. Ah, le full counter, ouais, mais c'est dommage, c'est une potion. Ça aurait été un objet, franchement. Attends, il y a peut-être des objets. Attends, on a juste 100 points, tome 2 sur 3. Il faudra acheter ça, à mon avis. Ah, ouais. Les tomes comme d'hab. Je peux, mais. Ouais, mais c'est pas pour l'instant, ouais. Tu seras rien. Bon, retiens qu'il y a un bouquin à acheter ici. Ouais, ouais. Bon, putain, il y a trop de trucs à. Full counter la tronche des ennemis. Ah, bah attends, il y a. Non, c'est tout. Je fais un bouquin là sur le. Attends, je vais. Comment on tourne encore le. Ah, comme ça. Ouh, oula. Alors, ce que je veux, c'est. La bibliothèque ? Elle est où? Là, elle est de l'autre côté. On n'a peut-être pas encore accès tout de suite. Hein. Ouais, c'est de l'autre côté. On n'a peut-être pas encore. Ok. Bah, vas-y, tiens un cours. J'ai lu et je me suis dit, bah là. Ah, c'est même pas un mode assaut. C'est la potion mode chandeleur. Ah, c'est moi ou full counter amélioré, quoi. Je crois que c'était l'emplacement de la statue de Zangdar. Quel gros mégalomane. Zangdar, c'est le méchant. C'est lui qui a la statuette de Rapadolfra. Rapadolfra. Bien. Tu as presque tout suivi. Du coup, Asque. Il est où Zangdar? Presque. Pas encore né. Presque tout. Presque. Glade de Glade de Lfra. C'est presque ça.